qu'est-ce que tu vois sur cet écran? Salut, je suis Eduardo Magna, ton professeur de français. Ce vide que tu observais sur l'écran, c'est l'équivalence du zéro en valeur mathématique. Apprendre les numéros, c'est très important pour la vie quotidienne. Tu sais pourquoi? Il y a plein de raisons. Tu peux comptabiliser tes contacts sur ta nouvelle page Facebook pour noter le numéro de la personne qui te plaît, pour savoir exactement combien de jours il nous manque pour arriver au week-end. Tu vois, il y a plein et des bonnes raisons pour apprendre les numéros. On va commencer avec l'essentiel, la série du 0 au numéro 9. Allez, on y va! Revenons à l'espace vide que nous avons vu il y a peu de temps. Cet espace vide représente un zéro. Il n'y a aucun élément. Maintenant, nous avons un élément de plus. Une scène. Nous avons aussi deux tours de son. Et maintenant, nous avons trois microphones. Nous avons maintenant 4 tambours. Tiens, on voit 5 musiciens sur l'image. Oh là là, nous avons 6 choristes sur scène. Et maintenant, 7 danseuses. Il y a aussi 8 lampes pour illuminer la scène. Et finalement, pour ne pas laisser de côté aucun détail, 9 moniteurs. Merci à vous tous aussi. Et on est prêt pour avoir un merveilleux concert. Allez, on va écouter le rap des numéros. 1, 2, 3, 4. Le temps d'écouter le bout de la chanson. Il est temps de chanter en tant que rappeur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, ça va mieux ma cravate? Eh oui, le concert ça a été, hein? Avec le rap des numéros, nous avons appris la série du 0 au numéro 9. Maintenant, révisons les séries des numéros 10, 20, 30, 40 et 50. Commençons avec la série du numéro 10. Mais pour ça, je vais réviser ma page perso sur Internet pour vérifier si mon concert leur a plu. Attendez. Allez, aidez-moi à comptabiliser les j'aime que j'ai sur la page. 11. 12. Allez, que pensez-vous de mon concert? 13. 14. Allez, où sont tous mes fans? 15. 16, 17, 18, 19. Oh là là. Oh. Comme ça, c'est mieux. Très bien. En peu de temps, j'ai plein de fans. Ben, voyons comment je suis placé par rapport à ma concurrence. Pour ça, faisons la révision du numéro 20 au numéro 29. Voici quelques artistes de la musique. Dans quel ordre tu les rangerais du numéro 20 au numéro 29? Imanen. Ven.
Sal Shisha, 21 ans. Ryubana, 22. Bashmina, 23. Ale Hosson, 24. Ramparingo, 25. Mar Solovan, 26. Lili Berry, 27. Feli News, 28. Prof Eduardo, 29. Oh là là. Définitivement, j'ai pas de chance comme chanteur. Il faut que je change d'activité. Allez, on y va. Tu as été des fois ému grâce au score mené par ton équipe dans un match de basketball. Et surtout quand il y a peu de différence au score. Égalité à 30 points. Oh là. Oh non, les visiteurs ont marqué. 31, 32. Faute. Non, c'est pas vrai. La visite vient de marquer un lancer franc. 33, 34. Nous avons des problèmes. Allez, eh bien, génial, c'est gagné. Un tir à 3 points pour notre équipe. 33, 34, 35. Eh, génial, nous avons 36 points maintenant. Allez, encore un tir. 37, 38. Non. Oh là là, c'est pas vrai. Les visiteurs ont marqué 39 points. On a perdu, c'est toujours la même chose. Bon, on a perdu. Mais on a fait quand même la révision de la série des numéros du 30 au 39. Ce sera pour la prochaine fois. Je vais faire ce que j'aime vraiment, apprendre le français. Faisons la révision de la série du numéro 40 au numéro 49. Allez, on y va! Hey, tiens, j'ai beaucoup d'amis du monde francophone qui veulent parler de sujets différents. J'ai 40 amis francophones qui aiment la musique d'Edith Piaf. Il y en a 41... qui aime le dessin dans la mode. Le sujet de la nourriture est le préféré de 42 camarades. 43 amis aiment parler des peintres impressionnistes. J'ai 44 copines qui aiment les footballeurs français. Et il y a 45 amis qui aiment le Tour de France. J'ai aussi 46 copains qui préfèrent le Grand Prix de Monaco. J'ai 47 camarades qui veulent visiter la cathédrale de Notre-Dame. Et par contre, 48 qui préfèrent les chutes du Niagara. Mais la plupart, 49 exactement, veulent visiter les musées français. Hey, génial! J'ai 50 amis qui veulent continuer à faire la révision des numéros en français. Oh mince! Ah, j'ai plus de temps! 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Bon, on n'a plus de temps, mais je suis content d'avoir fait cette révision quand même. Nous avons appris aujourd'hui une série numérique de base. N'oublie pas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous avons travaillé aussi les séries du numéro 10, 20, 30, 40 et 50. Tu vois, c'est très facile. Tu peux pratiquer à la maison, au lycée ou dans la rue.
et tu vas maîtriser bientôt les numéros en français. Attends, attends. Je t'invite à consulter les vidéos du prof en casa. Merci beaucoup et à très bientôt.